parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique. Il faut le plein. C'était pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Et le Camp Nou qui brille aux couleurs des Blaugrana. Quel bonheur pour les yeux. Le stade est plein ou quasiment plein et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. C'est vrai que niveau casting, on peut difficilement faire mieux. Voilà deux superbes équipes. On espère forcément du beau jeu maintenant. On va voir si les entraîneurs tentent un peu des coups en donnant du temps de jeu à des jeunes par exemple. Ça peut rajouter un peu de piquant, c'est ce que je ferai moi. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. La passe dans la profondeur. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. Nelson Semedo. En retrait pour repartir proprement. C'est joué long. Bonne intervention. Nelson Semedo. Dans la profondeur, bien vu. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Oh, Griezmann, c'est dégagé, loin devant. Griezmann. Le FC Barcelone qui essaye de construire. La frappe. Oh, Silesen, quel arrêt. Oh, quel arrêt. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Premier corner dans cette rencontre. C'est dégagé loin. Va-t-il en profiter? Oh, la frappe! Le but pour Barcelone! Et premier but pour le FC Barcelone! Quel enchaînement imparable pour le gardien! C'est Barcelone qui a donc ouvert le score. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Vaz, la longue passe. La bonne passe. Luis Suarez. Bien joué, ça. C'est bien donné. C'est bien fait, ça. Difficile de tirer. C'est récupéré. José Gaya. Il perd l'équilibre. Oh, Gamero. Et il cède sous la pression. C'est joué long. Ça peut être extrêmement dangereux. Parejo. Ferran Torres. Ferran Torres qui écarte le jeu. Ferran Torres. Oh, voici Vaz. On en restera là pour cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Un petit but sépare les deux équipes. 1-0 à la pause. La seconde période, c'est parti. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Rodrigo, bien placé sur ce long ballon. Sergi Roberto, c'est osé. Dans la profondeur. Il s'échappe. Oh, l'occasion. Encore, il peut frapper. L'écart, ils ont maintenant deux buts d'avance. Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir et il l'a payé cash. C'est vrai que c'est une grosse boulette, mais surtout l'attaquant a bien senti le coup.
Le FC Barcelone vient peut-être de se mettre à l'abri. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. José Gaya. Dans la profondeur, sur le côté. Et ça sort en touche. Ça joue long. Jordi Alba. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Ferran Torres. Non, ça manque d'application. Au tour du gardien de jouer. Le long dégagement du gardien. Il cherche en profondeur. Le bon appel du défenseur. Rodrigo. Il joue en profondeur. En retrait vers son gardien. Mais non, hors jeu. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Le gardien loin devant. Nelson Semedo, qui est récompensé de son pressing. Vaz. Oh, Gamero. Ça peut partir en contre. C'est joué dans la profondeur. Le ballon dans la profondeur. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Geoffrey Kondogbia. Oh, Griezmann. Piqué, piqué. À droite. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Victoire méritée, pas grand chose à dire si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première.